écoutez Alger chaîne 3, le journal. Au dernier top, il était 8h, l'heure de retrouver Brahim Azouz pour l'actualité nationale et internationale. Brahim, bonjour. Bonjour Hajar, bonjour à tous. Renforcement de la coopération, l'arrêt du génocide à Raza, une solution interlibyenne à la crise dans ce pays, des dossiers abordés par le président de la République avec son homologue égyptien, Abdelmadjid Tebboune, en visite de travail et d'amitié en Égypte. Il se rendra aujourd'hui au sultanat du Hamay. À l'appel de l'Algérie, le Conseil de sécurité se réunira d'urgence aujourd'hui suite aux récentes attaques militaires de l'armée d'occupation israélienne contre l'Iran. La décision de la Cour de justice de l'Union européenne d'annuler deux accords commerciaux conclus entre l'UE et le Maroc constituait un important revers pour le Maroc et une victoire pour le Front Polisario, souligne la télévision publique belge RTBF. Nous sommes le 28 octobre, nous célébrons le 62e anniversaire du recouvrement de la souveraineté sur la télé et la radio qui s'adapte aux nouvelles technologies, elle est présente sur les plateformes numériques. La première étude de bioéquivalence d'un médicament a été réalisée en Algérie. Il s'agit de démontrer l'efficacité thérapeutique d'un antibiotique générique fabriqué par Saïdal. En culture, compétition et atelier de formation au programme du Festival National du Film Amazigh qui se poursuit à Tizi Ouzou. Bonjour à tous, à la une de l'actualité, la visite de travail et d'amitié du président de la République en Égypte, Abdelmadjid Tebboune et Abdel Fattah el-Sissi, ont eu hier des entretiens en tête-à-tête élargis aux délégations des deux pays. Les deux chefs d'État ont abordé la coopération bilatérale, la situation régionale et internationale. Et dans une déclaration conjointe, le président de la République s'est d'abord félicité des relations fortes et solides entre les deux pays. في تفاهم تام في رغبة في العمل مع بعض هنا وهناك باستثمارات جديدة حيث وصلنا إلى ما يقارب المليار دولار لجي من مصر الشقيقة ونطمح في أكثر نطمح في ما أكثر فيما يخص الاستثمار الحالي للشقيقة مصر في ميدان الطاقة فهو ماشي على كل حال نزيد ندعموه بالنسبة للتنقيب بالنسبة للتنقيب سواء على الغاز في المناطق الجنوبية ولا حتى في المناطق أوفشور بحرية الجزائر مفتوحة على كل حال مرحبا إذن من علاقاتنا الثنائية نتمنى فقط أن في بداية 2025 السنة المقبلة إن شاء الله تجتمع اللجنة العليا وتدرس إمكانيات انطلاق كذلك في خماسي جديد تاع علاقات واستثمار وتبادل كل المستويات. Et concernant la situation à Raza, sous les bombardements de l'armée d'occupation israélienne, le chef de l'État a rappelé les efforts de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité qui se poursuivront pour stopper le génocide. الجزائر تعمل كل ما في وسعها في مجلس الأمن لمحاولة الوصول إلى حل أو بالأقل إلى توقيف الإبادة. صريحة فلسطين موقفنا لم يتغير ولن يتغير الحل الجذري هو دولة فلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف إن شاء الله. La situation en Libye, la solution à la crise ne pourrait être qu'interlibyenne à travers l'organisation d'élections, a affirmé le président de la République, exprimant en passage son profond regret face à la situation au Soudan. L'Algérie et l'Égypte travailleront de concert pour une réconciliation dans ce pays, a déclaré Abdelmadjid Tebboune. ليبيا شقيقة الموقف تاعنا لن يتغير أن الحل ما يكون إلا ليبي ليبي والحل الجذري هو في الانتخابات الشرعية تاع الانتخابات هي اللي تخلي من يستفاد من الشرعية من التصويت تاع الشعب الليبي هو اللي قادر يسير ليبيا إن شاء الله بالنسبة للسودان تأسف كثير على ما يجري بين الأشقاء الأمور هذه صعبة صعبة جدا لا في الدين تاعنا ولا في الأخلاق تاعنا ولا في احنا ومصر دولتين لن تتدخل أبدا في بين أشقاء إلا للصلح من غدي لا طرف ولا آخر. De son côté, le président égyptien a souligné la volonté des deux pays à renforcer davantage la coopération. La grande commission mixte algéro-égyptienne se tiendra prochainement au Caire, a déclaré Abdel Fattah el-Sissi, qui est revenu par ailleurs sur l'initiative égyptienne pour une trêve à Raza.
خلال مباحثاتنا تحدثنا عن الأوضاع في المنطقة وقد إيه المخاطر الشديدة اللي موجودة واللي بتتعرض لها المنطقة بدءا من الحرب في غزة وتطورات الأوضاع والحرب في لبنان ثم الأوضاع في ليبيا والسودان والتوافق تام على أهمية استعادة الاستقرار في المنطقة بعيد عن التدخل في شؤون الدول أو محاولة التآمر أو محاولة إسكاء الفتن بين الدول بعضها البعض. فيما يخص غزة تحديدا لأن هي موضوع في إجماع عربي عليه على أن أهمية إيقاف إطلاق النار وإدخال المساعدات إطلاق سراح الرهائن والأسرى الفلسطينيين. Et après l'Égypte, le président de la République, Majid Tebboune, effectue ce lundi une visite de travail d'amitié au sultanat de Amman. Rim Boukhari est l'envoyé spécial de la radio. Il s'agit en fait de la première visite d'un chef d'État algérien dans ce pays ami, puisque entre l'Algérie et le sultanat d'Oman, les relations reposent depuis toujours sur des bases solides de respect mutuel et de vision partagée concernant les questions majeures qui préoccupent actuellement le monde arabe, en premier lieu la cause palestinienne. Cette visite de travail et de fraternité sera l'occasion de rappeler les valeurs partagées par les deux pays dans une conjoncture où l'Algérie célèbre son 70e anniversaire de la révolution du 1er novembre. Le sultanat d'Oman, un pays ami avec qui l'Algérie entretient des relations bilatérales qualifiées de bonnes. La coopération économique connaît d'ailleurs ces dernières années une dynamique prometteuse et c'est ce qu'on retient de la tenue en juin dernier de la 8e commission mixte algéro-omanaise qui s'est déroulée à Alger. Une coopération qui augure de belles perspectives qui reste d'ailleurs à explorer lors de cette visite que doit débuter ce lundi le président de la République à Mascate, Rim Boukhari pour la radio algérienne, Le Caire. À l'appel de l'Algérie, le Conseil de sécurité se réunira d'urgence ce lundi pour discuter de la situation au Moyen-Orient suite aux récentes attaques militaires de l'armée d'occupation israélienne contre l'Iran. L'Irak a protesté à l'ONU pour l'usage de son espace aérien par l'entité sioniste alors que le chef des gardiens de la révolution iranien avertit ce matin l'occupant israélien de conséquences amères. L'Afrique du Sud s'apprête quant à elle de soumettre ce lundi à la Cour internationale de justice un mémorandum détaillé contenant des faits, des preuves et des arguments supplémentaires pour prouver que l'entité sioniste commet un génocide en Palestine. Selon une source diplomatique sur le terrain, Gaza est totalement isolée du monde et théâtre de massacres quotidiens commis par l'occupation israélienne. 9 Palestiniens sont tombés en martyr hier lors des bombardements sur Gaza. Et la mobilisation dans le monde en faveur de la cause palestinienne se poursuit. Elle ne faiblit pas malgré les intimidations et les menaces de certains gouvernements. Plus de 120 organisations françaises solidaires du peuple palestinien exige de la France l'arrêt total et immédiat de tout commerce d'armement avec l'entité sioniste, appelant toutes les associations, collectifs, syndicats et partis politiques à se joindre à cet appel. La décision de la Cour de justice de l'Union européenne d'annuler 2 accords commerciaux conclus entre l'UE et le Maroc et de décréter l'obligation d'indiquer le Sahara occidental comme étant le pays d'origine des produits importés dans l'Union constitue un important revers pour le Maroc. Selon la télévision publique belge RTBF, précisant que les conséquences de cette décision sont surtout politiques et une victoire pour le Front Polisario qui avait saisi l'accord. La RTBF a rappelé que depuis 1963 et la fin de la colonisation espagnole, le Sahara occidental est un territoire non autonome selon l'ONU et que le peuple du Sahara occidental, dont l'existence est reconnue par les Nations Unies, est titulaire d'un droit à l'autodétermination qui lui a été reconnu par pour la première fois depuis 1966. La première étude de bioéquivalence d'un médicament a été réalisée en Algérie. Elle est l'œuvre du centre de bioéquivalence algérien Equival Biocenter pour démontrer l'efficacité thérapeutique d'un antibiotique générique produit par le groupe Saïdal. La présentation de cette première étude s'est déroulée hier lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique Ali Aouni. Il en parle au micro de Hassan Chemache. Il faut savoir que ce centre donc, est là pour essayer de remplir sa mission, c'est celle de fournir des études de bioéquivalence qui sont exigées dans le protocole de l'enregistrement. Ces études de bioéquivalence ne concernent pas tous les médicaments. Et les responsables de ce centre se sont engagés donc à prendre en charge pratiquement une dizaine d'études par mois. Et aujourd'hui, il y a en réserve 130 dossiers pour lesquels il faut effectuer ces analyses. Je pense qu'avec cette acquisition, le secteur de l'industrie pharmaceutique et notamment
l'Agence nationale des produits pharmaceutiques vient d'acquérir donc un outil pour pouvoir exiger d'une manière, je dirais, sévère les études de bioéquivalence pour les médicaments pour lesquels il doit y avoir ces analyses. Et l'invité du jour après ce journal est le directeur de la promotion de la production pharmaceutique au ministère, Reda Belkacemi. Il sera question avec Nel Mendil de la disponibilité des médicaments, des mesures pour encourager les investisseurs notamment. Nous sommes le 28 octobre, nous célébrons aujourd'hui le 62e anniversaire du recouvrement de la souveraineté sur la télé et la radio. C'était le 28 octobre 1962. La radio qui a fait du chemin reste un des médias les plus suivis et a su s'adapter aux nouvelles technologies via les plateformes numériques. J'ai signé Sophia Boukacha. C'était sur le poste ou l'enchaînée ou le fait. J'écoute la radio sur mon téléphone ou la défense la voiture. Passons de la diffusion analogique à une présence marquée en FM. Aujourd'hui, avec l'essor du live streaming et des podcasts, elle a su se moderniser pour capter un public plus jeune. Cette transformation technologique qui a permis d'améliorer la qualité sonore et la fluidité des transmissions enrichit l'expérience d'écoute en la rendant plus immersive et agréable. Sami Arjoun, enseignant à l'école supérieure de journalisme. C'est un moyen qui est très proche de son public. Son parcours historique est atypique, passant d'un système classique de diffusion analogique à une nouvelle posture riche et diversifiée en termes de canaux de diffusion. Sa métamorphose vers le web ne fait que propulser son positionnement. Pour Jamel Bouchakour, enseignant et chercheur à l'École nationale supérieure de journalisme, l'innovation et la diversité des contenus sont au cœur des priorités de la radio, qui propose aujourd'hui un large éventail d'informations. Son spectre déjà élargi devra continuer de s'étendre pour répondre aux attentes évolutives des auditeurs. D'abord, il y a une qualité de contenu qui répond aux attentes diversifiées citoyens. Deuxième axe de qualité, il est relatif à la technologie. Et pour le troisième axe, il s'agit beaucoup plus de la qualité professionnelle des journalistes, créateurs de contenu. Il y a un développement très remarquable. L'élargissement des fréquences ne ferait que répondre à un besoin des populations. Il me semble qu'on devrait peut-être envisager des gammes de fréquences qui permettent de couvrir de plus grandes distances pour les régions du Sud, mais aussi les régions frontalières en particulier. La radio nationale conserve ainsi sa place privilégiée dans le paysage médiatique algérien et restant une source fiable et accessible pour l'ensemble des citoyens. La direction Tizi Ouzou, la compétition et les ateliers de formation sont au programme du Festival National du Film à Mazir. Les détails avec notre correspondant sur place, Mohamed Haouchi. La 18e édition du Festival culturel national du film Amazir de Tizi Ouzou donne la nette impression de connaître déjà sa véritable vitesse de croisière, comme nous le confirme le cinéaste bien connu et commissaire du festival, Amar Tribesh. Et ça s'est passé vraiment dans une liesse extraordinaire. La culture à Tizi Ouzou est très bien organisée, il y a beaucoup d'infrastructures. Tout y est pour que le festival réussisse. Ça se passe bien pour les ateliers? Les ateliers, ils ont commencé. J'ai ramené M. Yahmi, spécialiste de la production, qui va montrer aux jeunes comment présenter un dossier de production. En matière d'assistant réalisateur, il y a vraiment un manque. Donc on a initié ce masterclass avec Nadir Hadef. Et il y a Yazid Arab qui s'occupe aussi du côté réalisation et écriture du scénario. Il y a aussi un atelier d'actorat. Ces ateliers s'adressent aux jeunes. C'est un festival national qui s'adresse à tous les Algériens. Pour cette deuxième journée, le public aura droit ce matin à deux films d'animation, FMFN de Tizeri Sarahoui et Mazir d'Anis et Samir Chlel, ainsi qu'un film documentaire, Le Chemin Vert d'Oussama Raï, alors que l'après-midi sera réservé à deux films de long-métrage, Souvenirs sanglants de Mourad Bouamran et puis L'Akhdaa Gerwethmethen de Nourdin Amrouch, toujours au cinéma Djurdjura. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine, Wadi Chen 3. Et il a beaucoup plu hier sur plusieurs wilayas du pays. Les unités de la protection civile ont été très sollicitées pour le pompage des eaux pluviales suite à ces intempéries, notamment à Larouat, Djelfa et Nahama. Que dit la météo aujourd'hui? À suivre le bulletin complet avec Adjam Sodi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.